Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour un petit déballage d'une commande que j'ai passée sur la boutique de mère en fille. Voilà, c'est une toute petite commande, mais je vais quand même vous montrer ça. Alors, on va essayer de déballer. Normalement, ça ne doit pas faire trop de bruit, mais on ne sait jamais. Alors, voilà, voilà, on va défaire le paquet. Alors je vous ai mis en gros plan entre guillemets, donc on va voir ça. Attends. Alors, moi je suis obligée de tout déchirer parce qu'en fait j'arrive pas à machiner. Attends, je voulais te montrer un truc en premier, mais je ne le vois pas. Ah si, c'est là. Alors déjà je vous montre, j'ai repris des aiguilles boules. Alors est-ce que ça va faire le focus? Oui. Voilà, j'ai repris des aiguilles boules. Numéro 37. Donc ce qui correspond, c'est la taille moyenne. Il y a plus petit en 34 et il y a plus gros en 40. Celles-ci, elles sont très bien. Moi, j'arrive même à faire du 14, du 18. Du 18. En fait, celle-ci, c'est pour le 14 CT. Mais moi, j'arrive à faire du 16, du 18, de l'étamine, du lin. Donc, elles sont très bien. Parce que les premières que j'avais achetées, je les avais prises chez Chibi Hour. Mais là, je voulais repasser une commande et elles sont en rupture. Donc, elles en ont plus. Donc j'ai pris chez de mère en fille. C'est 2 euros plus cher chez de mère en fille. Mais ça va. Ça reste encore pas cher. Voilà, voilà. Donc ça, je suis contente. Et tant que j'étais là-bas, bien sûr, eh ben j'ai acheté un diagramme. Évidemment. J'ai acheté le kit carrément. Pas le kit. J'ai acheté avec les échevettes. Et le support. Alors, on va mettre ça de côté. J'ai acheté le joli support. Voilà, magnifique. Très joli. Alors, c'est du... Je ne sais plus. Pouh, je ne sais plus quelle taille. Quelle taille de CT ça fait, mais je vais peut-être le voir sur la commande. Pof, 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 pof. Non, ils le disent pas. C'est un torchon Gratiano. D'accord. Un torchon Gratiano. Donc un torchon de cuisine, hein, tout simplement. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait bleu, rouge. Le rouge, je crois qu'ils en avaient plus. Il y avait du vert. Et comme ils n'avaient plus le rouge, bah j'ai pris du gris. Voilà, je vais vous allumer la lumière. Hop. Donc c'est un torchon sur lequel vous pouvez broder, hein, évidemment. Ça a l'air d'être du 16 CT. Voire du 18. Ouais. Ça a l'air d'être du 16 ou 16 ou 18. Voilà le torchon qui est magnifique. Avec, donc, évidemment. Ça va pas faire le focus, voilà. Avec donc les échevettes DMC. Bon, c'est du coton mouliné classique. Donc on a un. Alors est-ce qu'il y a marqué les couleurs dessus? Non. On a un beige. Très joli. Un orangé un peu brique. Celui-là, j'en avais déjà. Celui-ci, c'est un bordeaux. Le 816. Ah, comme je suis en 1-1, il me fait un cinéma. Voilà, là vous devez le voir. Voilà. On a un pistache un petit peu, ou vermante, ou pistache. Ouais, plutôt vermante. Le 502. Voilà. On a un orangé pastel un peu.
Oh, ce que c'est chiant. Bon, tu vois à peu près la couleur. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Faut que je m'approche beaucoup, en fait, hein. Le 977. Je vous fais le détail parce qu'il n'y a pas énormément de teintes. Le 3072, là, c'est un blanc perlé, un petit peu. Blanc gris, un petit peu. Qui va bien. Ouais, blanc perlé. Il va bien ressortir sur la couleur du torchon. Ici, on a un jaune. Un jaune. On a deux jaunes, en fait. Pourquoi deux? Je ne sais pas. Qui sont très proches l'un de l'autre, mais il y a une petite différence quand même. Donc le 676 et le 3822. Voilà. Et on a un vieux rose ou une espèce de. Ouais. Faut vraiment que je m'approche tout près. C'est le 3858. Voilà. Donc voilà mes petites couleurs. Et pourquoi que c'est faire? Bah, je vais te montrer. Voilà. C'est un petit diagramme Lilypoint. Voilà. Et donc je vais broder les madeleines sur ce joli torchon. Mes petites madeleines. Fouettez 3 œufs avec 100 g de sucre et une pincée de sel. Ajoutez 120 g de farine et 5 g de levure chimique avant de mélanger. Remplir les petits moules beurrés et farinés, laissez cuire une dizaine de minutes et régalez-vous. Voilà, je trouve que ça va faire super joli. Alors, ce sera peut-être pas un torchon que j'utiliserai tous les jours, mais ça va faire très joli. Je vais vous mesurer la taille du torchon. Où est-ce qu'il y a mon truc? En largeur, il fait 39 et en hauteur, il fait environ 50. Oh, plus que ça. 60, 67. 67. Et la surface à broder, en fait, tu peux le faire bon, au centre, hein, bien sûr, mais elle fait 26 sur 26 sur 52. Très joli. Avec ce petit liseré en pointillé comme ça, gris. Très beau. Vous avez l'étiquette ici. Home Collection Made in Italy. Extra long staple cotton. Ouais, c'est vrai qu'il est long en fait comme torchon. Il est très beau. Il est très très beau. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le diagramme. Bien sûr, je vous montrerai pas. Attends. J'ai repris, excusez-moi. Bien sûr, je vous montrerai pas le détail du diagramme, hein. Mais je vais regarder, je vais l'ouvrir. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai acheté. C'est mignon. C'est tout mignon. Alors ils en ont plein, hein, bien sûr. Ces diagrammes-là sont connus. Hein. Ils ont le mojito, ils ont la confiture de figues. Au départ, je voulais la confiture de figues, mais elle était en rupture. Ils n'avaient pas. Il y a les carottes. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça avec une recette, un truc. Alors, bon ben c'est tout simple, hein. D'accord, ça casse pas de trois pattes. Le diagramme est vraiment simple, hein. Par contre, les symboles, ok, d'accord. À broder sur une toile blanc cassé. Bon bah ben, les blanches, moi, hein, les blanches, blanches. En deux fils. En deux fils pour du 6 points par centimètre et en un fil pour du 8 points par centimètre. Moi, je sais plus. Mince. Non, mais je crois que c'est du 18, ça. Donc, à mon avis, je vais le faire sur un fil. Aïda 8. Un fil. Je crois que c'est une Aïda 8.
Ok, alors, je ne peux pas vous montrer le diagramme, mais je vais vous montrer peut-être un tout petit bout comme ça. Voilà, voilà le genre de diagramme. C'est tout simple, hein. Par contre, il faut que je vérifie combien de points en centimètres. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah c'est du 10. Ah bon? Non, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 8. Je sais pas, il y a 9 trous. 9 ou 10 trous. Je vais essayer de regarder sur le site. Ouais, donc j'ai vérifié, c'est bien. J'ai vérifié sur le site, c'est bien sur le torchon en fait, c'est bien de l'Aïda 8. Et donc ça correspondrait à du 20 CT. Voilà. C'est un petit peu plus petit que du 18 CT. Mais honnêtement, on voit très bien les points. Moi je vois très bien les points. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite session de broderie avec vous. Je vais la démarrer plus ou moins, plutôt plus que moins. Je vais essayer de la démarrer. Alors attends, on va regarder. Je regarde, je me repère déjà sur le diagramme. J'essaye de me repérer. D'accord. Donc déjà. Je vais essayer de trouver mon milieu. Ouf. Le milieu est ici. Je le plie comme ça. Et je le plie comme ça. Voilà. Le milieu est environ ici. Et bien sûr, je n'ai pas de, comment on appelle ça? J'ai pas mes stylos effaçables, enfin, j'ai pas mes stylos machin, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de quelque chose. T'en bouge pas. Donc, j'ai coupé un petit bout de fil. Je vais prendre une des aiguilles que j'ai achetées aujourd'hui. J'en ai d'autres dans ma boîte, mais ça, je te montre tout directement. Je prends un petit brin de fil qui traîne. J'enfile mon aiguille. Alors, ce qui est bien avec les aiguilles boules, c'est que le chat de l'aiguille est large. L'aiguille est toute fine, mais le chat, lui, est large. Voilà, donc tu prends le milieu de ta toile que tu as pliée, tu passes ton fil et tu tires en tenant l'autre bout. Voilà, comme ça, tu as un petit fil au niveau de ton milieu. Voilà, je vais prendre un aimant. Hop. Comme ça, je ne perds pas mon aiguille. Hop. Voilà, tu vois? On est ici. J'ai essayé de te montrer. J'espère que tu vois mon petit repère qui est là. Et voili voilou. Donc, une fois qu'on est là. Une fois qu'on est là, en vacante. Donc je suis au centre et il faut que je compte. Alors est-ce que je commence par les écritures ou est-ce que je commence par les madeleines? Tiens, je te mets le motif. Comme ça, tu vois. Je peux aller vers le bas, vers les lettres, ou bien je peux aller vers le haut, vers les madeleines. Je pense que je vais commencer par le L.
Donc, nous sommes ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3. Oh, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors là, il faut faire attention parce que sur le diagramme, les diagrammes de chez Lily Point, ce ne sont pas des carrés de 10, ce sont des carrés de 5. Déjà pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5 points. Et je démarre au sixième. Ok. D'accord, très bien. Donc je vais prendre la couleur numéro. Donc c'est le X et le X. C'est le rouge 816. Ok. Ah, ça doit être ça. Hop, voilà. Donc, je n'ai pas encore de... Est-ce que j'ai un... Comment ça s'appelle un... Est-ce que j'ai du... Attends, deux petites secondes. Je vais regarder si j'ai un trifil ici. Alors, j'avais un trifil, mais il est en bois et il est cassé, il n'est pas solide du tout. Donc, un truc en bois que j'avais acheté à l'époque, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai pas beaucoup de couleurs, on va en profiter. Je vais mettre comme ça. Et je vais mettre mes fils. Hop. Je vais couper mes fils. Et je vais mettre un anneau pour chaque échevette. Tant pis, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que en fait j'ai des choses. J'ai passé une commande sur Temu pour des. Pour des. Comment on appelle ça? Des floss drop. Donc je les attends. Mais tant que je les ai pas, bah, je suis obligée de faire avec ce que j'ai. Donc hop. 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 Et donc ça, je vais le faire pour chaque échevette. Mais bon, déjà, je vais la faire. Je vais le faire pour celle-ci que j'utilise avec vous en vidéo. Voilà. On prend chaque bout. On détend le fil. On le défait jusqu'au bout. Hop, on le replie. Hop, on revient. Tu vois, on replie à chaque fois. Hop, on secoue bien ces fils. Voilà. Pour avoir une longueur d'à peu près 50 cm. Arrivé ici, on coupe. Alors. Moi, j'ai un tout petit coupe-coupe là, donc. Hop, voilà. Et comme on est là, ici, on a la boucle. Il faut bien la prendre au centre. Et. Ce que je fais, c'est que je ferme mon anneau. Alors attends, parce qu'il est tout petit cet anneau du coup. Ah non. Oh. Voilà, tu vois. Pour l'instant, moi je vais les faire comme ça. C'est des tout petits anneaux. Donc je vais faire un anneau pour chaque couleur. Il y a quoi? Il y a 7-8 couleurs. Et ensuite je mettrai un double anneau pour tenir tout ensemble. Mais là, pour l'instant, je m'arrête là parce que on va broder le L, d'accord? Donc, j'ai pas besoin de tout faire là en vidéo avec toi. Ok. Donc, où se trouve mon aiguille? Elle est là-haut. Alors, j'ai posé ma toile sur un Q-snap parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Et donc,
On a dit 5 vers le bas. Je prends mon aiguille qui est là. Je vais la mettre là. Voilà. 5 vers le bas. Hey, calmez-vous. Donc, on a dit qu'on le faisait en un brin. On va essayer avec un seul brin. Je suis pas sûre que ça fasse bien avec un seul brin. Mais bon. C'est un petit CT, donc... on va quand même essayer de le faire en un seul brin. Je coupe pas mon brin, on va voir. Hop. Alors, je descends de 5. Je suis là, c'est le milieu. Un. Là, c'est le milieu. 1, 2, 3. Ici. Hop. Hop. Je fais un petit démarrage en boucle. Je repasse derrière. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vois pas ce que je filme, donc ici je coupe. Voilà. Et ensuite, donc voilà ma première croix entre guillemets. Faut pas que je me prenne dans la toile, évidemment, parce que les pas. Voilà. Doit voir mieux là. Voici la première croix. Ensuite, j'en suis où? J'en suis où? Pouf, pouf, pouf. Je dois faire combien de croix? 1, 2, 3, 4. Attends, je vois rien. C'est écrit petit alors. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois en faire 5. Alors. Mon fil est très long, donc ça va être chiant. Ça, tu peux du coup peut-être l'enlever, quoique j'ose pas trop l'enlever pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, il y a un nœud. Ah, c'est ça qui est pénible quand tu brodes dans un brin. C'est les nœuds. Oh. Ça va me saouler. Ensuite, je fais combien de lignes comme ça? Je fais plein, 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 plein de lignes. Donc, ben oui, c'est le L. Donc, il est très grand. Donc, il faudrait que j'essaye de défaire mon nœud que j'ai là. Mais bon, je suis pas sûre d'y arriver. En général, quand ça t'arrive, bah, t'es dégoûté. Mais c'est parce que j'ai laissé toute la longueur du fil, donc... plus ton fil est long, plus tu as des chances de faire des nœuds. Donc c'est chiant. Voilà.
Et les fils DMC ont la réputation de faire des nœuds facilement. Hop. Bon, voilà, merci. Je crois que j'ai à peu près. Bon, écoute, il y a toujours un petit nœud. Bon, je vais le laisser parce que ça va me saouler. Ah là là. J'espère qu'il voit quelque chose, hein, parce que moi j'y vois, mais je vois pas ce que tu vois. Parce que j'ai le pied de la. Le support en fait qui est devant. La pince en fait, elle passe devant l'écran. Du coup, je vois rien. C'est très agréable à broder. Ah ouais, tu vois rien, c'est tout petit pour toi. Si je zoome un peu plus, ça va faire quoi? Je peux pas plus. Je peux pas plus zoomer. J'essaye de te mettre la lampe pour voir, mais. Allez, non. Ça fait pas grand-chose, hein. Oui, c'est un petit CT quoi finalement. Les nœuds, les nœuds, les nœuds. C'est quoi ces fils là? Allez là, regarde-moi ça. Non mais c'est quoi ces fils de MERDE? Ouais bah DMC, tu repasseras. Hein. Bon après comme je te dis c'est parce que j'ai je pense j'ai je vais il faut que je coupe mon fil il est trop long mais bon c'est chiant oh putain je vais essayer d'enlever ça. Bon, j'ai coupé mon fil finalement, j'ai coupé mon fil, je suis revenue en arrière, bref, patati patata. Enfin, pas revenue en arrière, mais j'ai coupé mon fil et je me suis dépatouillée. Et là, j'ai brodé tout ça. Mais il faut broder encore. Et oui. Par contre, bah, la toile est très très bien. Très très mignon, très très minutieux par contre, tout petit. Mais très très bien. Donc j'ai pas encore fini mon fil, hein, tu vois. Oups. En plus, j'ai mal aux yeux aujourd'hui. Je sais pas combien de lignes il faut que je fasse, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis qu'à 8. Oh là là, je vais pas le faire avec vous. Je vais pas tout faire avec vous, je vous rassure. Je suis de quel côté? À droite ou à gauche? À droite. Faut que je fasse 26 rangs comme ça. Voilà, voilà. Il y a des petits zigouigouis parce que là où le fil a fait le nœud, voilà, ça m'a fait un zigouigoui. Mais bon, je pense que à la fin, ça se verra pas trop. C'est pas grave. J'espère.
C'est le temps que je m'adapte en fait à la toile et puis enfin, au fil aussi parce que... Les aiguilles boules, bah, elles sont pas parfaites, pardon, pour faire ça, évidemment. C'est toujours le démarrage le plus compliqué en fait, parce qu'après, tu te repères avec ce que tu as déjà fait. Le démarrage, c'est toujours un peu chiant, en fait. Ça fait même pas 1 cm, hein, ce que je suis en train de broder là. Hop. Dire qu'il y a des machines à coudre qui font ça automatiquement. Qui te brode des lettres automatiquement quoi. Mais bon. Il fait chaud là. Oh, j'en peux plus en fait. Je n'en puis plus. Mal au dos. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai très chaud et voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est le début du L. Hop là. Le L, là. Voilà, je suis en train de faire le haut du L. Là. Et après il y a une petite ombre à faire et ainsi de suite, toutes ces lettres là. Donc ça. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va être long. Je pense que... Il y en a pour longtemps. Je pense que c'est pas si évident que ça. Mais bon. Ce n'est point grave, ce n'est point grave. Je pense que ça va faire joli quand même. Ça ferait un joli torchon que je pourrais pas m'essuyer avec. Mais bon, on l'accrochera dans la cuisine. Puis il m'en faut en plus des torchons, c'est ça le pire. Mes torchons à moi, ils sont morts, ils sont vieux, ils sont... À chaque fois, je me dis, oh, il faut que je regarde sur AliExpress pour commander un lot de torchons. Bah oui, puis bon, je pense à autre chose et puis j'achète jamais mes torchons. Rangs, comment te dire? J'arrive même pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en suis à 11. Il faut encore que je fasse le double, plus, plus. Parce que si je fais le double, je serai à 22 et puis il m'en manquera 4. Et j'en serai que là, en fait. 26 rangs. 26 rangs, c'est juste le bas de la tige. Ensuite, il faut faire tout le L. Enfin, tout le... Voilà. Le reste du L. Non, mais c'est mignon. Non, mais j'ai bien fait d'acheter ça. Non, mais je pense que c'est bon. Non, j'aime bien, en fait. J'aime bien, c'est que là, je suis mal installée. J'ai mis sur un Q-Snap, c'est pas trop mon délire. Tu vois. Bon, maintenant qu'il est sur le Q-Snap, peut-être que je vais le laisser dessus. Je sais pas, on va voir, mais... Mais en tout cas, elle est facile à broder. Hein. Très facile à broder. Très souple, très, très agréable. Pas de problème. C'est juste qu'il faut s'adapter. S'adapter. C'est de l'Aïda, hein. C'est de l'Aïda, mais minuscule. Hop. Alors, tu coches. Tu vas dans un coin. Pourquoi il me met le fil au milieu, là? Tu peux m'expliquer?
J'ai pas visé là. Ce que tu me racontes. J'ai visé là. Il y a un trou là, non, il me semble. Voilà, alors pourquoi tu as mis à côté? Ouais, donc faut faire gaffe à ça. Ok, bon. Ok. Oh, puis en plus, monsieur s'est fait mal au dos au travail. Alors, laisse tomber. Il a été chez le toubib. Il a un lumbago, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Aigu. Un lumbago aigu. Alors, c'est même pas la peine. Tu ne peux plus. Il peut plus bouger. Il prend des médicaments, laisse tomber. Des patchs, des machins, des trucs. Il n'y a plus personne. Et plus personne ne répond au téléphone. Comment je pourrais te dire ça? Votre correspondant n'est plus attribué. Hein, c'est mort. La terre, la maison peut s'effondrer. Il n'y a plus personne. C'est mort. Il est en train de d'agoniser. Après, je pense bien qu'il a mal. Hein, c'est pas la question. Mais oh là là, qu'est-ce que ça me saoule. Ça me saoule parce que. Mais comment dire? Voilà, c'est la fin. C'est la fin, quoi, tu vois. Bientôt, il faudra lui faire l'extrême onction. Onction. Ah, je te jure. Non, mais il a souvent mal au dos. Bah oui. Mais bon. Il fait n'importe quoi aussi. Il est au boulot, il fait. Il carbure comme je sais pas quoi. C'est bien, mais c'est pour faire bonne impression ou je sais pas quoi, tu vois. Mais du coup, bah, c'est lui qui est malade après. Enfin. Je sais pas ce que je fais là. Ah, ça y est. Voilà toute la familia. Non, mais ça y est, Capone. Je suis pas partie sans 7 ans. Arrête de me lécher, s'il te plaît. Il a cru que j'étais plus là et que j'avais disparu. Il est venu se rassurer, le chien. Oh, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je vais arrêter là, les gens. Je vous montrerai l'avancée de cette chose. Si j'y arrive. Parce que là, je suis contorsionnée sur le côté pour voir quelque chose et je suis obligée de me pencher, en fait, pour voir. Donc, ça me fait un petit peu mal au dos et ce serait pas le moment que moi aussi je me blesse. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. C'était mon petit déballage de chez de mère en fille. J'espère que ça vous aura plu. Puis c'est tout, hein? On se dit à plus. On se fait une bouffe. Voilà. À plus tard. Je vais ranger tout ça. Je vais ranger mes fils. Je vais m'organiser mieux que ça. Et puis je vous montrerai mon avancée. Allez, bye bye.